Salut à tous mes chers amis geeks et geekettes et bienvenue pour ce nouveau DRJ Games où nous sommes sur un smartphone pour filmer. Voilà cette petite introduction. Alors c'est un Samsung Galaxy S7, donc c'est déjà un petit peu vieux. Mais si on continue avec des smartphones, ça sera sur autre chose qui devrait normalement arriver. Et ça, je vous tiendrai évidemment informé. Donc voilà, on va voir si la qualité peut être mieux. Et pourquoi pas faire évoluer la chaîne, les chaînes YouTube, en faisant des vidéos avec des smartphones. Et pourquoi pas même la web-série, la tourner sur smartphone. Alors j'ai déjà fait quelques tests, niveau audio, avec le téléphone c'est mort. Franchement le micro ça capte absolument tout. Donc là pour le moment je fais avec le Shure, on verra plus tard pour d'autres micros, pourquoi pas des micros cravates, voilà. En attendant, nous, on va faire une petite vidéo gaming, histoire de se détendre un petit peu entre le travail de la web-série avec Farming Simulator 2019, un jeu qui était offert par Epic Games et que j'ai particulièrement aimé, particulièrement apprécié. J'étais agréablement surpris par ce jeu et on va y jouer, je vais vous montrer un petit peu ma ferme, etc., etc. On va jouer les fermiers dans cette vidéo. Allez, c'est parti pour Farming Simulator et moi je vais faire un petit peu le résultat, qu'est-ce que ça donne avec ce smartphone? Nous voici donc devant Farming Simulator. Et mon premier constat, quand je démarre le jeu, un petit défaut, c'est le temps de chargement. Donc, on est sur... Voilà, on est sur la map américaine. Voilà, tout simplement. Pour le moment, j'ai que ça comme champ. J'ai joué... j'ai pas joué des masses, on va dire. Et j'ai surtout fait des contrats, des choses comme ça. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai comme tracteur? Je vais faire un peu moins fort chez moi parce que c'est un petit peu fort. De mon casque, la moissonneuse batteuse de base. Voilà, que j'ai pris quand je démarrais le jeu. Alors, j'avais pas pris l'option la plus facile, la plus difficile, là, il me semble. Forte demande à grain. Un grain pour tueur, ok. On va faire ça d'ailleurs, tiens, on va s'occuper des champs là. J'ai déchargé et il faudra que je vende mon soja, non je l'ai déjà fait, je ne sais plus, je crois que j'ai déjà vendu. Ouais. Hop, on va s'occuper du champ là. Alors, plusieurs possibilités, pour ceux qui se connaissent pas, hein, plusieurs possibilités pour moissonner les champs. Soit, hop, on met en route et on y va. C'est parti. Soit, alors je suis un petit peu malade, hein, désolé, soit je suis un petit peu feignant, j'appuie sur la touche B de la manette, et là je ne fais plus rien, c'est mon ouvrier qui va s'occuper de faire ça. Donc c'est super facile, on appuie sur une touche et c'est un ouvrier qui va travailler pour nous, récolter ce qu'on a mis dans nos champs. Et là c'est du soja parce que c'est ce qui rapporte pas mal. Ça c'est un des derniers tracteurs que j'ai acheté. Pour remplacer un Fiat qui avait d'origine qui n'était pas très puissant avec la petite remorque pour les engrais. On a un train. Alors ça j'ai pas encore compris à quoi ça sert, mais on a un train. Et on peut le rouler. Hein. Voilà, là, si je freine, hop, j'arrive à faire ralentir le train. Alors ça c'est génial, ça fait le tour de la carte, c'est sympa. Est-ce qu'on peut décrocher les wagons? Non on peut pas. Ah non, j'ai pas vendu mon soja, mais j'ai encore de la place. Ok. Il y a une sauterelle qui vient d'arriver sur mon clavier. Voilà. Énorme. Voilà, qui est sur moi. J'espère qu'elle va pas me couper. Je suis pas serein. C'est cassé. Voilà, en pleine vidéo. Tranquille. Qu'est-ce que je vous dise, moi? Ça, c'est pour semer. Et donc, je sème en ce moment du soja. Il va falloir que je sème du blé pour donner à manger aux poules. Parce que je compte faire de l'élevage de poules. Ça c'est quoi ça? Le champ est dégueulasse. A besoin de chaux. D'accord. Donc on va l'acheter de la chaux. Et on va s'occuper du champ là. Il faudra le labourer avant de semer. Voilà, donc c'est un jeu qui est super complet. C'est vraiment excellent. Il y a plein de choses à faire. Et pour moi, vous voyez, ma ferme est vraiment pas grande. Hein. J'ai que ces petits champs-là.
J'ai pas encore acheté d'autres terrains, parce qu'on peut acheter des terrains, évidemment. Hein. Mais je compte augmenter ma ferme tout doucement. Ça, le silo, je pense que je vais le vendre, parce qu'il est vachement gros par rapport à ce que j'ai besoin. On peut grimper, je crois pas. Hein. On va faire du Far Cry dans Farming Simulator. Donc voilà. Bon, pendant ce temps, est-ce qu'on va labourer le champ là-haut? Non, on va aller finir notre petit contrat. Alors, on peut faire des contrats, je vais vous montrer. Ici. Donc là, on a tous les renseignements. Ça, c'est l'offre et la demande des produits. Le soja, voilà. 1859 euros au ranch. Donc c'est pour ça que ça va rapporter des sous. Voilà, les finances, nos véhicules, avec l'entretien, tout ça. Les prix que j'ai achetés. Dernière chose que j'ai acheté, c'était ça. Voilà. Je crois que j'ai payé plus cher. Ça va être sa valeur pour la revente, ça, je pense plutôt. Parce que j'ai payé 10 000 de plus, c'est la fameuse remorque pour l'engrais. Les animaux, j'en ai pas. Et ça, c'est les contrats. Et il y a celui-ci à terminer. Il n'y a quasiment plus rien. Donc on est bon et on va gagner 17 000 euros. Les contrats, c'est sympa. Hein. Donc pour gagner des sous, on va travailler pour un autre fermier. Et c'est nous qui allons faire le boulot. Donc c'est pas là-bas. Épandage d'engrais, ce genre de choses. Ça rapporte bien, ça. Récolte. Et on peut aussi embaucher des ouvriers pour qu'ils fassent le travail. Et on peut, si on n'a pas le matériel, louer le matériel. Donc ça, c'est super intéressant. Et là, c'est un contrat qui rapporte pas mal. Bon, on va déjà finir le nôtre. Et c'est ici. Voilà, j'ai eu peur. Donc là, j'ai que 27. Est-ce que ça suffira? Je sais pas. On va prendre d'autres moissonneuses. Voilà. Et on va continuer. Le fil. C'est le moyen qui travaille. Il n'y a rien dans la benne, donc je pense qu'il va pas aller très loin. Parce qu'il y a beaucoup de maïs, mais l'autre côté, en fait, je vous explique. J'ai eu un autre ouvrier qui m'a aidé dans le jeu. C'est mon fils. Ah oui. On va dire exploitation. Non, il adore les tracteurs, il voulait jouer. Alors j'ai dit, mais écoute, tu fais le champ, comme ça, ça m'évitera de mettre un ouvrier dans la machine. Et il était tout content. Il m'a juste renversé le camion, etc. Mais bon, bref. On a une vue à l'intérieur aussi, qui est fort sympathique. En plus, l'ouvrier travaille tout seul. Bon, voilà, il n'y a personne. Hein, c'est... Oh, c'était... Petit détail, mais ça, je trouve que même graphiquement, je trouve que c'est bien sympa, quoi. J'étais vraiment surpris par ce jeu. Je radote. Et lui, il est à 34%. Bon, alors en attendant, ce qu'on va faire, on va prendre ça, on va aller chercher au magasin de la chaux. C'est parti. Alors vous voyez, il n'y a pas des masses de circulation. Hein. On croise pas beaucoup de voitures. On en croise, mais ça va. Parfois, on a même tendance à rouler plus vite que les voitures. Voilà, donc là, on arrive au magasin. Il y a encore la remorque du contrat que j'ai emprunté, que j'ai pas utilisé parce que voilà, j'ai galéré. Et du coup, l'ouvrier A fini son travail. D'accord, donc là, ça, c'est l'autre contrat. Alors, avant d'acheter ce que j'ai besoin, on va retourner voir l'ouvrier A. C'est lui. Et on va l'emmener où il y a plus de maïs. Par exemple, ici. Voilà, fais-moi ça. Alors, en attendant, voilà. Vous pouvez vous déplacer sur la carte automatiquement aussi si vous avez besoin. Mais vous ne vous déplacez pas avec le tracteur. Là, moi, j'ai besoin du tracteur. Donc, tac, le magasin, il est là. Ça fonctionnait pas. Et on va acheter de la chaux. Donc on va prendre en palette parce qu'il faut de la chaux liquide. Herbicide, engrais, pourquoi il n'y a pas la chaux? Je dis des conneries. Vous voyez, je dis des conneries. La chaux, c'est comme ça. Et
zut. Donc, on va prendre un sac de choux, je sais pas combien il nous en faut. Voilà. Et on va quand même prendre de l'engrais pour voir si ça va remplir ma machine là, parce que ça se remplissait pas tout à l'heure. Et ça, ça me dérange. Donc là on a notre chou, notre truc. Par contre, j'ai pas la bonne remorque pour la chou. Donc non, ça se remplit pas. Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal? Je ne sais pas. Bon, bref. Du coup, c'est pas le bon tracteur. Il me faut le tracteur avec. On va le laisser là, celui-là d'ailleurs. De toute façon, ça fonctionne pas bien. Hop. On n'a pas vu. On va prendre celui-ci. On va prendre celui-là. On va chercher une remorque pour la chaux. Celui-là, il a le petit truc pour attraper les caisses. Je crois que c'est ce qu'il faut faire avec les sacs de chaux. Il va nous falloir une remorque pour utiliser la chaux. Donc on va perdre de l'argent. Bon. Donc nous revoici au magasin. On va rechercher une remorque pour la chaux. Et on va sans doute vendre notre silo. On en achètera un autre plus tard si vraiment on a besoin. C'est tout ce que j'ai hein. En tracteur, en remorque, tout ça. Donc c'est le début, hein, je rappelle. On peut même vendre la ferme. Truc de fou. Ça va rapporter pas mal, hein, le grand silo. Allez, on le vend. N'est pas vide. Les teams de ça suivants seront également vendus. Blé, orge, colza, un chat. Je savais pas qu'il y avait des trucs dedans d'origine, c'est pas moi qui ai mis ça. On va donc pas le vendre. Par contre, on va prendre une remorque, on va peut-être la louer. Alors, c'est ce genre de choses qu'il me faut, il me semble. Je pense que c'est ça. Alors, on va la louer. Ça sera plus simple. Voilà. Par contre, il fait nuit, j'espère que ça va aller. On va la mettre avec l'autre tracteur. Moi, qu'on puisse la mettre dedans comme ça, je sais pas. Évidemment, il y a ça devant. Putain, fais chier. On va voir si on peut mettre la chaux dedans sans que la remorque soit attelée. J'ai un doute, mais bon. Parce que là, pour la chaux. Oh, bah tiens, j'ai bougé la remorque. Comment on bouge la remorque comme ça? Les petits phares. Non. Alors vous devez fumer de la tête, hein, comment que je... Oulala, oui, j'ai pas mis de masse. Est-ce que ça va aller? Je pense pas. Non, ça va pas aller. Tac! Vous avez vu la masse comme elle a fait un... Roulé-boulé, là, c'est excellent. Donc là, maintenant, on va pouvoir prendre le truc. Voilà, parfait. Ben là, ça n'a pas l'air encore assez lourd. C'est si lourd que ça, la chaux. Ben, ça tangue, hein, les enfants, ça tangue. Hein. C'est mieux ce que je mets plus haut. Est-ce que ça va se mettre dans la remorque? Yes, impeccable. Impeccable. Déjà pas mal là, je pense que ça devrait suffire pour le champ que j'ai à faire. Voilà, il disparaît. Du coup, hop, mon tracteur est beaucoup plus léger. Regardez ce qu'on va faire. On va essayer de pousser ça.
est trop grosse. Allez, bouge. Le mec, il a aucun respect, c'est une honte. On va prendre dans les collets à mon machin. Bon, on va dire qu'elle va disparaître par la suite. Ah, du coup, on reprend notre petit tracteur là. Et on va chercher notre morque à chaud. Et on va poser l'engrais. Et l'engrais, de coup, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Paf. Pourquoi ça fait ça? On va aller étendre la chaux au champ. La chaux au champ. En plus, il est loué. Tac. Et là, vous dites bordel. Je sais pas si j'aurai assez. On va voir. C'est une grosse remorque, Marc. On va voir. Allons-y, on retourne à la ferme. Vous devez vous dire, nom de Dieu, que c'est simplifié. C'est très complet, mais c'est simplifié quand même, parce que, évidemment, si vous arrivez à atteler une remorque comme ça, vous êtes vraiment très fort. Allez, on rentre à la maison. Donc voilà, on arrive à notre champ qu'on doit faire, on doit saupoudrer de chaux. On va se mettre bien au milieu parce qu'apparemment ça va cracher bien partout. Enfin bien au milieu, on se met là, on est bien. Voilà. Normalement. Voilà. Bon, je suis parti complètement de travers. Mais non, j'étais un petit peu optimiste. Ah ouais, la chaux, il en faut beaucoup. Ah ouais, ça descend très vite. Je pensais que ça descendait pas aussi vite que ça. Falloir qu'on en prenne beaucoup, c'est pas cher à l'achat, mais alors. Je sais pas que. Ah, ça a pas mis partout. Je fais n'importe quoi. Ouais, vas-y, amuse-toi. Ah non, il veut pas. On va se repositionner parce que là j'ai fait du caca complètement. Donc voilà, donc là vous avez vu exactement ce qu'il ne faut pas faire. Tout simplement. On va remettre deux caisses pour être sûr hein, parce que là. Profiter pour faire le petit bout là qu'on n'a pas fait. Est-ce qu'on va y arriver? Ouais. Allez, on arrête le désastre. Donc. Ah oui, progression 98%, d'accord, c'est le champ. C'est vraiment le champ, la récolte. Donc c'est pas tout à fait fini. Donc on va retourner là-haut aussi. Au niveau de la carte. Voilà, on voit tout ce qui était travaillé, récolté. Voilà, donc là, pourquoi il y a ça qui se met devant? Ouais. Là, j'ai mis composition du sol et on voit bien ici que toute cette partie-là a été faite avec la chaux. Et toute la partie bleu ciel, bleu vert comme ça, c'est il y a besoin de chaux. Celui-là, celui-là aussi d'ailleurs. Ça veut dire que il va falloir. Eh bien, j'en achète beaucoup de la chaux, donc il va peut-être falloir que je me garde cette remorque. Bon, en attendant, on va. Retourner avec cette machine, et je pense que là je vais le faire moi-même parce que il n'y a vraiment plus grand chose avant d'arriver à la fin de ce contrat. Voilà, et après il n'y aura plus qu'à livrer à l'endroit que le contrat me demande. Donc vous avez vu, c'est un jeu vraiment calme, hein, ça change des Fortnite, des PUBG, voilà, en ligne, ou même de beaucoup de jeux actuels. Qui sont pas des mauvais jeux, attends, c'est pas ce que je dis, hein, mais ça change un petit peu, ça nous met un petit peu plus dans de calme. Et j'apprécie aussi ce genre de simulation pépère. Et fort sympathique. Euro Truck Simulator est à peu près pareil, quoi, aussi intéressant.
c'est pas des grosses compagnies, mais pourtant ils font des jeux très complets et très sympas. Il y a du monde hein, qui joue en plus, hein. Il y a une sacrée communauté sur Farming Simulator. J'étais étonné, moi je pensais pas que c'était un jeu. Je me suis dit, oui bon, c'est un petit jeu comme ça, alors on va tester, parce que mon fils il aimait les tracteurs, donc il voulait voir. Ah, 89%. J'ai dit, c'est gratuit en plus, donc voilà, c'est l'occasion. En fait, l'effort, tiens. Et en fait, non, c'est vraiment un bon jeu que je vous conseille. Si vous aimez bien les simulations, vous serez pas déçus. Tac. Alors, hein, dans cette vidéo, on fait pas grand chose, hein, c'est... Et voilà, contrat du champ 5 terminé. Bon, vous savez quoi, on va pas s'emmerder. On va livrer tout ça. Il faut livrer ou on peut accepter le contrat? Ah non, on peut accepter le contrat. Et du coup, les machines ont disparu. Et les... j'ai gagné 14 409 euros. Et mes petits... mon petit camion, mon petit tracteur a disparu. Et je me retrouve là, comme un con, dans le champ. Mais heureusement, téléportation. Voilà, petite touche tab bien sympathique qui nous permet de passer, de switcher entre les véhicules. Donc là, on a fait le champ là, on va aller faire le champ à côté, qui a été un petit peu abîmé parce que j'ai roulé dessus comme un débile. Hop là. Bon, j'embauche tous les ouvriers, bon ça... ça coûte des sous, mais... Et la petite remorque était là aussi, a disparu également. Donc là, on va laisser la chaux. Et nous, on va retourner acheter de la chaux. Et là, cette fois-ci, on va la remplir. Donc, tac, on se retrouve encore une fois au magasin. Je vais quand même regarder pour installer les poules. Le poulailler, puisqu'apparemment, j'ai du blé dans mon truc, donc on est bon. Enclos d'animaux. Comment on peut avoir de poules? 20 euros par jour, ça coûte. Bon, c'est pas énorme. On peut avoir 100 poules, et là on peut avoir 400. On va commencer par le petit, après on va avoir les enclos à vaches et tout. Tu peux même avoir des chevaux. Cochon, ça coûte cher. Ah, donc les poules, c'est du blé ou de l'avoine. Et de l'avoine, ça, j'en avais. Bon, alors si on l'achète, il coûte combien? Il coûte 20 000, c'est pas cher, c'est pas du tout cher, donc c'est bien de commencer par ça. Par contre, ils sont gentils, ils me le mettent là. Ah, j'ai compris. J'ai compris. On retourne dans notre ferme. On laisse l'ouvrier travailler ici. Et c'est à partir de la ferme qu'il faut aller au garage. Voilà, je me rappelle, c'est la touche P pour aller au magasin, pardon, directement à partir de l'endroit où on se situe. On peut même acheter une autre ferme. Ah non, il n'y a qu'une seule ferme, c'est celle-là, d'accord. Bon, on peut en acheter d'autres, quoi, mais bon, voilà. Cabane, je sais pas à quoi ça sert. C'est la déco. Décoration, d'accord. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et d'hiver, c'est quoi? Un Karcher. Je vous jure, c'est le même que j'ai au boulot. Je travaille dans le nettoyage et c'est le Karcher là que j'utilise pour nettoyer les pistes. Je vous jure que c'est vrai, c'est énorme. Ou pas. Pour tout le monde s'en fout, mais bon voilà, je suis content, je vous ai dit ça. Point d'eau vous permet d'approvisionner vos réservoirs en eau douce. Putain, il y en a des trucs. Et tout ça, ça coûte des sous. Machine transforme le rondin en copeaux de bois. Ah ouais! Pour faire une série quoi. Excellent. Vraiment très. Je vous dis j'adore. Allez, le petit poulailler. Ah non, il me le met là. Il est con quoi. Évidemment que ce terrain m'appartient pas. On va aller chez moi alors. Hein.
Voilà. Non, je suis pas chez moi encore. On va pas le foutre sur les champs quand même. Faut essayer de me placer. Alors ça, j'aimerais bien essayer d'enlever ces trucs pourris qu'il y a là. Je sais pas comment on fait. Mettre les poules à côté de chez moi. Là. C'est pas mal là. Ah, comment j'ai fait ça? Oh là là. Je veux pas qu'il soit de côté. D'accord, comme ça. Ok. Bah, c'est sympa là, non? Allez hop. On va pas en mettre plusieurs. Voilà, on a nos poules. Je suis content. Eh, ça m'a coûté du blé, hein, de mettre les poules. Mon dieu. Je suis désolé pour cette blague. Et normalement, on peut acheter des poules directement en allant dessus. Eh ben voilà. 50 euros la poule. Bon, il nous faut un coq ou deux déjà, on va mettre deux coqs. Voilà. Puis on va mettre des poules. Ouais, des poules brunes. Allez. Combien de poules on peut mettre? Si je mets la totale, ça revient à combien? Voilà, l'enclos ne peut plus accueillir plus d'animaux. Ok, on est à 6500 poules. 6500 euros pour les poules. C'est bon. Tac. Bon, ça descend, mes sous-sous. Hein. Là, il va leur falloir du blé. Qu'il va falloir mettre ici. Du blé ou de l'avoine. Donc ce qu'on va faire, on va aller vendre notre soja. On va prendre le tracteur là parce que je n'ai plus des masses de tracteurs avec toutes ces conneries là. On va vendre le soja comme ça, ça va me faire une petite entrée d'argent par rapport à ce que je viens de dépenser. Et après on va nourrir les poules. Ou les marmorques là-bas. Alors, le truc à semer, on va le laisser là. De toute façon, on va semer tout à l'heure. Ici. On va aller la remplir un peu la benne à soja parce que la remorque est là-haut. Machine là-bas, donc tant qu'à faire. En plus, on peut aller sans être dans le champ. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dire que je suis. Quelque chose me gêne, il va dire. Allez, vite ta cochonnerie. Le soja, c'est loin là de la cochonnerie. Allez, mets ça là-dedans, voilà. En plus, sa benne est presque pleine, donc ça tombe bien. On va bien remplir ça. Et il a fini. Même si j'ai vu qu'il y en avait encore là-haut, mais bon. Et voilà, merci mon copain. Là maintenant mon tracteur a d'autres tensions. Juste de soja on avait dit. Continue à avancer le tracteur. C'était la grange je crois. Non, c'est le restaurant. Et le restaurant. Il est où le restaurant? Il est là. Donc rendre visite, c'est pour se téléporter là-haut, mais sans. On y arriverait sans le tracteur. On est à 40 minutes de vidéo, mais avec tout ce que je vais devoir couper pour vous épargner les voyages, ça risque d'être plus court.
Allez, go vers le restaurant. Et nous voici au restaurant. On se place tranquillement. Alors, la caméra parfois un peu chiante, mais c'est facilement réglable en changeant les zooms comme ça. Vous voyez, tac. En plus, on n'entend pas bien le tracteur. Et quand on se rapproche, on entend bien le tracteur. C'est des petits détails que j'aime bien. Allez, on vide la bête. Là, on va voir l'argent monter. Voilà, ça fait du bien. Alors, on peut gagner plus d'argent en mettant de l'engrais, en voilà, fertilisant les 14 000 euros. C'est pas mal. Vraiment, c'est cool. Pour un début, j'aime bien. Si on achète en plus d'autres champs pour la suite, comme faire de l'élevage, on peut faire plein de trucs. J'ai encore pas tout découvert, évidemment. Parce que je fais plein de jeux en même temps, donc... Alors, attendez. Du coup, lui, il lui reste 28% de soja. On va aller manger les restes qu'il y a là-haut. Vraiment pas grand-chose, mais on va le faire. Merde. J'ai trop de touche. Et voilà. Trois heures du matin, je suis encore en train de bosser. Pas bien. Voilà, on se retrouve. Alors, je fais la fin avec la webcam. Voilà, comme ça, ce sera plus simple. J'ai un petit peu la flemme, faut bien l'avouer. Il est minuit 11 et je suis un petit peu fatigué. Je suis pas au top de ma forme en ce moment. C'était la rentrée des classes. Oh, j'enlève même le casque. C'était la rentrée des classes. Et ma petite dernière, c'était sa première rentrée. Elle est rentrée avec une jolie petite rhino-pharyngite qu'elle a pris soin de partager. C'est ça, la rentrée des classes des tout petits. Mais vous inquiétez pas, c'est une rhino-pharyngite. Voilà, y a pas à s'inquiéter. Et là, c'est juste, eh bien, le partage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de parler de ce jeu. Ça fait un moment que je voulais vous en parler. On en reparlera dans les commentaires si ça vous a plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu, évidemment, dès qu'il y aura un live possible, je le ferai. Ça, je répète. Et donc, on évoluera peut-être sur des vidéos filmées avec smartphone. Alors, pas en game, évidemment. Mais introduction et fin de vidéo seraient en smartphone. Et pourquoi pas le film. Alors, je vous le dis, peut-être. Hein. Peut-être le S10 ou peut-être le S20. Là, on sera sur du bon téléphone et on pourra faire vraiment des vidéos de qualité sans avoir un appareil réflexe ou aucun bien cher parce que le S10 S20, je le prends avec un nouvel abonnement, tout ça, donc je vais pas dépenser des milliers d'essence, ça c'est clair. De toute façon, voilà, je ne peux pas. Bref, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures et d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos, le petit like qui fait plaisir. Et la cloche, c'est important parce que on avance dans la websérie et vous aurez toutes les informations concernant la websérie Adventurgie et les épisodes ne devraient pas tarder à arriver. Je pensais les sortir pour septembre, ça va être un peu compliqué. Il manque quelques détails pour l'épisode 0 et l'épisode 1 pour que je puisse finir vraiment complètement. Donc c'est pas grave, je préfère perdre un peu plus de temps, mais que ça sorte et que ce soit bien. Allez, merci à tous, à très bientôt, prenez soin de vous, salut, ciao, bye bye.